Il a fallu s'adapter, faire pas mal de changements. Il y a des joueurs qui sont arrivés, qui étaient blessés, donc qui sont repartis. Il a fallu convoquer d'autres joueurs. On n'est pas encore totalement au complet à cette fin de semaine. Il manque encore un joueur. Il y a deux ou trois joueurs qui ont des petits coups qu'il a fallu ménager. Donc c'est un petit peu le. C'est ce qui arrive tout le temps, qu'on voudrait que ce soit différent, mais en fait, on s'aperçoit que. Quelles que soient les situations, quel que soit le contexte, on est toujours un peu dans le même cadre. Bon, et après, il y avait quand même l'intéressant, le plus intéressant, c'était mettre en place un projet de jeu, que les joueurs se l'accaparent, qu'ils sentent bien, qu'ils s'y sentent bien dedans. Donc, c'est une première semaine où on a évolué un petit peu dans tous les registres, on a essayé de voir un petit peu toutes les situations et les joueurs, je crois, ont commencé à bien s'y sentir dedans. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs que je ne connaissais pas. On va encore se découvrir dans la semaine qui arrive. Mais je crois que c'est important, surtout que les joueurs se sentent en confiance, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie d'être, qu'ils se sentent bien là, que chacun trouve sa place et que chacun a envie de s'investir à fond. C'est fondamental, le plaisir d'être là, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de construire quelque chose, c'est le fondement. Le rugby, il est très simple. Il faut avoir ça déjà et après mettre quelques ajustements, quelques liens à travers le jeu, mais c'est d'abord ça le fondement d'une équipe. Il me semble que c'est pas mal pour une première semaine de travailler ensemble. On se répartit bien les choses. Là aussi, il faut que chacun trouve sa place, trouve son rôle. Il faut que chacun ait une importance à l'intérieur. Et je crois qu'on est en train de trouver un bon équilibre.